Bienvenue à cette 35e édition du Tour international du Faso. Les premières lignes s'écrivent ici, à Koulibaly. C'est à partir d'ici que nous vous ferons vivre cette 35e édition du Tour international du Faso. La RTB est au grand complet. Alain Didier Kampaori. Ali Traoré. Yimpabu Yarga. Adama Gitti. Daouda Ouattara. Ismaïla Ouidraogo. Jean-Eudes Bayala. Voilà, voici l'équipe qui va vous entretenir pendant ces 10 jours sur les routes du Burkina Faso. Vous ferez vivre toutes les péripéties de ce tour-là à travers un vélozine extraordinaire. Bienvenue, c'est parti. Rendez-vous à Tenkodogo pour la première étape. Arrivé canon ici aux couleurs du Maroc à Tenkodogo, une première étape dominée des pieds et des mains par le royaume chérifien avec à sa tête Houssène El Karoudji. Il est arrivé premier ici à Tenkodogo, vitesse moyenne 44 814 km/h. Savez-vous quoi? Le dernier vainqueur marocain à ce tour du Faso et surtout à la première étape s'appelle Moussine Lassani. Nous étions en 2015, 17 ans jour pour jour. Et ironie d'histoire, c'est lui qui a remporté cette année-là le maillot jaune. Cette année, il est là, mais en tant que directeur sportif, et c'est lui qui coach cette équipe qui, pour la première étape, a déjà emporté un signal fort dans ce tour du Faso 2024. Compte tenu d'étape avec Alain Didier Kampaori. Moussine El Karoudji frappe fort d'entrée le Maroc avec à ce 35e tour international du Faso. Sur les 135 km à parcourir entre Koulibaly et Tenkodogo, le trio marocain franchit la ligne d'arrivée en 3h48 minutes 5 secondes à la vitesse moyenne de 44 814 km/h. Moi je suis très heureux pour gagner la première étape. Il est chaud l'étape aujourd'hui, mais alhamdoulilah, toute l'équipe elle est très forte aujourd'hui. Et pour le premier 50 km, il fait attaquer pour le point chaud. Après, il fait une échappée pour 3 coureurs. Après, le dernier 15 km, il fait une attaque pour partir les 3 coureurs marocains. Alhamdoulilah, c'est la première étape, il est encore 9 étapes. Inch'Allah, c'est fini le tour pour le maillot jaune ou c'est fini pour Pat Shoot. Merci beaucoup pour l'organisateur du Tour du Faso. Ainsi, sur la ligne de départ ce matin à Koulibaly, 64 coureurs de 9 pays sont dans le starting block. Si des habitués comme le Maroc, le Cameroun, le Bénin ont respecté le rendez-vous, on note des retours comme celui de la Russie après 1987. Quelle éternité! Il est donc 9h36 et les autorités donnent le top de départ. Le départ réel, lui, intervient à 9h41. Le peloton se lance alors direction Mokhtedo pour le premier point chaud. Là, 6 coureurs tente une échappée. Hawaïen, l'écart est minime, 26 secondes seulement. À l'entrée de Mokhtedo, il y a 42 secondes entre les échappés et le reste du groupe. C'est alors que Wahabou Bouda, de l'équipe régionale du centre, s'adjuge le sprint, suivi de Rodrigue Kouéré du Cameroun et de Tom Wies de la Hollande. À la sortie de Mokhtedo, la distance entre les hommes de tête et le peloton est de 2 minutes 52. Puis, 3 minutes 49 à Zorgo. Ici, la configuration change et le règne des Marocains commence. El Moussine, El Idriss et Kouéré du Cameroun se succèdent sur la ligne du point chaud. Ils vont régner sans partage sur la tête de la course, creuse un écart abyssal. C'est en toute logique qu'ils rafraient le troisième et dernier point chaud à Koupela en compagnie de Kani Soulama de l'équipe régionale de l'Ouest. Se dessine alors l'équipe de l'arrivée finale. 5 coureurs, dont 3 Marocains, un Burkinabé et un Camerounais s'échappent définitivement de leurs poursuivants. Ils se remplacent dans l'animation de la course. À 25 km de l'arrivée, l'écart est de plus de 10 minutes avec l'arrière-course et de 2 minutes avec les intercalés. Le mano à mano entre les 5 hommes va se poursuivre et les 3 Marocains se détachent. La jonction sera impossible pour les coureurs burkinabés et camerounais. C'est en triomphe
que les trois lions de l'Atlas franchissent la ligne d'arrivée à Tenkodogo. Mouchine El Kouradji en premier, Adil El Abraoui en deuxième et Idriss El Alouani ferme la marche du podium. Bamassi Soulama de l'équipe régionale de l'Ouest sauve l'honneur du Burkina en arrachant la quatrième place devant le Camerounais Clovis Kamson Abosolo. C'est l'occasion pour moi de traduire toute ma gratitude à l'endroit des plus hautes autorités qui ont instruit sa tenue et mis les moyens nécessaires pour que nous puissions l'organiser. Alors, au terme de cette première étape, nous avons enregistré une performance d'environ 45 km à l'heure. Alors, ce qui témoigne de la qualité et du haut niveau de cette compétition sportive. Pour s'être arrivé premier de la première étape, El Mouchine rafle le maillot du vainqueur de l'étape, le maillot jaune de leader et le maillot vert par point. Mon pays est beau. Viens contempler les merveilles de la vie. Grigra et tu vas réussir. Voilà, c'est le paradis avec mon pain sexy. Et tu veux que j'aille où? Compagnie de Monsieur Aboubakar Taou, un véritable connaisseur du cyclisme ici au Burkina Faso. Tu es avec nous, on a la chance de l'avoir encore cette année sur ce Tour du Faso. Première étape, Koulibila, Tenkodogo, Monsieur Taou. On l'a vu, hein, une razzia marocaine ce midi ici à Tenkodogo. Qu'est-ce qui peut expliquer cette domination marocaine à cette première étape? Dans cette édition du Tour du Faso, il y a des concurrents de haut niveau. Quand on prend la Belgique, la Russie, la Hollande, le Cameroun et les Burkinabés, en tout cas, il y a une pléiade de bons coureurs. Maintenant, quand il s'agit de l'arrivée du résultat final, quand même, on est un peu tombé à la renverse parce que les trois premiers sont marocains. Il y a un Burkinabé à la personne de Soulama Bamassi qui a fait quatrième. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'abord, l'écart entre les premiers et les poursuivants, dont se trouve Bamassi, est un peu grand. Et il se trouve que Bamassi est le seul coureur burkinabé dans ces deux coureurs poursuivants. Alors qu'on a mis le turbo, avec, comme on le dit sûrement, avec une fermeture, une bordure, quoi. Voilà. Et quand on regarde et la vitesse moyenne à l'arrivée, elle est de 44,814 km. Ouais. Oh, si vous vous souvenez, rien que le dimanche passé, on vient de faire une course cycliste à 40 km/h. Donc cela se comprend aisément que la première étape est allée à fond. Elle allait en forme, hein. C'est vrai qu'on avait déjà fondé des espoirs ainsi l'équipe nationale du Burkina pour succéder à Paul Domon à ce tour-là. Mais lorsqu'on a des Marocains qui arrivent comme ça et qui arrivent à place positionner trois coureurs, comme vous l'avez dit en tête, mais surtout un écart déjà conséquent qui donne l'impression qu'on a déjà plié la course à la première étape. Ah, c'est vraiment, on ne veut pas le croire, mais les choses sont corsées dès la première étape. Je crois qu'encore la même image s'est passée à Chantal Biya, où le premier Burkinabé est venu à 12 minutes à la première étape.
Chantal Biya. Et la course était déjà pliée pour les étalons cyclistes à Chantal Biya. Est-ce qu'on peut dire que ce matin ici, il y a un effet de surprise hein, qui a désarçonné un peu la tactique de Burkinabé? C'est exact. Je crois qu'il y a un effet de surprise et plus effectivement la puissance des Marocains dans le peloton. Demain, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Je crois que cette fois-ci, il faut se jeter à l'eau. Il faut mouiller le maillot parce qu'il n'y a plus rien, en tout cas, à calculer ici. Donc, pour essayer soit de réduire l'écart petit à petit et de placer surtout beaucoup plus de Burkinabés en tête de peloton. Voilà, c'était l'œil du spécialiste, édition numéro 1 à cette première étape en Kulbila à Tinkodogo. Monsieur Tao, on vous dit merci. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Voilà, exactement. Et un autre regard de spécialiste. Les choses vont s'améliorer pour les Burkinabés. Merci beaucoup. Okay, merci. Cette étape est une étape de départ et dire aux cyclistes burkinabés de ne pas se décourager et que les prochaines étapes, nous comptons sur eux. Le meilleur jour est toujours possible, ce n'est que le début. C'est la fin qui est importante. C'est possible. Oh oui, c'est possible parce que je sais que de manière on est venu aujourd'hui, demain on va travailler mieux. Nous, on ne veut pas. Notre souci, ce n'est pas le maillot jaune. Voilà, pour défendre notre titre. Incompréhension totale sur la stratégie mise en place par les étalons du Burkina Faso pour cette première étape en Kulbila et Tinkodogo. Et pourtant, ce matin, l'équipe de l'RTB avait braqué ses projecteurs sur l'équipe nationale A. Objectif, voir qui était capable de succéder à Paul Domon, dernier vainqueur du Tour du Faso. À l'arrivée ici à Tinkodogo, c'est l'incompréhension parce que la stratégie a été balayée par cette équipe marocaine. Malgré tout, on s'intéresse à cette équipe du Burkina Faso sur laquelle reposent toujours les espoirs de maillot jaune dans ce Tour du Faso. Focus avec Ali Traoré. Après le sac de Paul Domon l'année dernière, l'équipe du Burkina Faso veut encore faire sensation à ce Tour du Faso en conservant son maillot jaune. Malgré l'absence de Paul Domon, nous avons pas mal de coureurs qui peuvent faire la différence. Nous avons par exemple Mouni Vincent et Rawende et puis les capitaines et aussi Kone Suleiman. En tout cas l'équipe a et surtout il y a des jeunes aussi qui marchent pas mal, comme Satine et Mohamed Ibudo. Et surtout dans les équipes régionales du centre qui peuvent faire la différence. Et aussi, toutes les trois équipes, nous sommes prêts, on verra les résultats que ça va donner. L'ambition, c'est comme tout le monde, c'est la victoire du Tour. L'ambition est grande et les défis énormes. Mais Haruna Ilboudo et ses coéquipiers pensent avoir les armes nécessaires pour dominer cette 35e édition du Tour du Faso. On est motivé pour cette édition. Pour cette première étape déjà, on pense au maillot jaune et je crois que tout va bien se passer. Qui parle du Tour du Faso parle de maillot jaune et nous sommes déterminés à le conserver. Pour cette première étape, Kulbila Tinkodogo, Mukaila Rawendi a pointé le bout du nez à la 11e place. Le rang d'ailleurs n'est pas le plus important. C'est surtout l'écart qui interroge. Le Burkinabé a déjà 4 minutes 13 secondes de retard. Seule consolation, la 4e place de Bamassi Soulama de l'équipe régionale de l'Ouest derrière le trio marocain. Je ne suis pas du tout content parce que les Marocains, on ne devrait pas les laisser venir les trois premiers. Voilà, donc c'est là qui m'inquiète. Mais ça ne veut pas dire que aussi, on a le moral baissé. Voilà, c'est le début. Voilà, après, on va se consoler avec les grands frères. Voilà, et travailler avec les consignes. Et voir ce que ça va donner les jours à venir. Effectivement, notre objectif de cette 35e édition du maillot jaune, c'est la conservation de notre maillot jaune. À la première étape, on est venu 4e après les trois Marocains, avec un écart d'une minute et quelques. Et je ne peux pas dire que. Et le maillot ne l'aura pas parce que c'est une course à étapes. Et une course à étapes, c'est un calcul de temps. C'est le cumul des 10 étapes.
et c'est ça qui va faire dire que tu as eu le maillot jaune. Il faut croire avec Martin Sawadogo que le Burkina Faso a toujours son mot à dire et peut conserver son maillot jaune. Le reste sera connu lors des prochaines étapes. La minute du partenaire pour cette première étape s'intéresse à la banque commerciale du Burkina Faso. Le directeur général de cette banque dite citoyenne est avec nous ici à Tinkodogo et nous a fait le plaisir et l'honneur de s'exprimer à notre micro sur véritablement les motifs de la présence de la banque à cette édition du Tour du Faso. Nous avons voulu avec les organisateurs du Tour et avec la population de Tinkodogo donc et signifier notre résilience donc à ces événements qui nous sont imposés. Et nous avons aussi voulu montrer que la Banque commerciale du Burkina est toujours une banque résiliente, nationale, patriote et qui accompagne également toutes les populations, toutes les couches de la population. C'est pourquoi nous avons voulu magnifier cela en choisissant cette toute première étape de ce 35e tour. Nous participons cette année en parrainant l'échappe Fair Play pour dire que Fair Play rime avec sécurité routière. Qui dit Fair Play dit tolérance, dit courtoisie, dit prudence. Nous invitons l'ensemble de la population à faire preuve de tolérance tout au long de cette édition. Nous participons à ce tour pour la 5e fois aux côtés du ministère des Transports. Et nous faisons des actions de sensibilisation. Nous communiquons avec la population pour leur dire d'observer les règles de la circulation, d'être tolérant, d'être courtois et prudent afin que ce tour soit vraiment une réussite avec zéro accident. Voilà, nous vous remercions. Bonjour, Anis Ogoma, good morning, salam alaikum. Voilà. Vous l'entendrez aussi en hollandais, en russe et bien sûr dans d'autres langues sur toutes les délégations présentes à ce Tour du Faso 2024. Voilà. L'interview express de ce matin s'est intéressée au bonjour chaleureux de chaque délégation comme pour lancer cette édition 2024 du Tour du Faso. L'interview express, c'est ici et c'est maintenant. Le pont. Bonjour, Anis Ogoma, good morning, salam alaikum. Voilà. Vous l'entendrez aussi en hollandais, en russe et bien sûr dans d'autres langues sur toutes les délégations présentes à ce Tour du Faso 2024. Voilà. L'interview express de ce matin s'est intéressée au bonjour chaleureux de chaque délégation comme pour lancer cette édition 2024 du Tour du Faso. L'interview express, c'est ici et c'est maintenant. Le pont. Bonne arrivée. Merci. Ça va, vous êtes bien arrivé au Burkina? Oui, très bien. Tout se passe bien? Ça va. Vous êtes de quelle nationalité? Je veux que vous nous dites bonjour dans votre langue. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc c'est Algérie, c'est Maroc. Algérie. Bon arrivée chez vous. Là, je représente l'Union cycliste internationale. Oui, je sais ça. Vous représentez l'Union cycliste internationale, mais ici on est dans un pays d'hospitalité et on aime pouvoir dire bonjour à chacun dans sa langue. Merci. Donc vous, c'est salam alaikum. Shukran. Shukran. Ce monsieur et moi, on est nés le même jour. Comment on dit bonjour chez vous? Dobre utra. Dobre utra. Yes. Dobre utra. C'est ça? Dobre utra. Dobre utra. Da, dobre utra. Your first time in Burkina Faso? Yes, we first time in Burkina Faso. We get invited for in this race. Today we'll start and we should prepare our racers to go to the race. Okay. Thank you very much. We wish you a good Tour du Faso. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Vous allez bien? Oui, oui. Vous êtes arrivé au Burkina? Oui. Tout se passe bien? Très bien. Quel est le meilleur proverbe camerounais que tu connaisses? Cameroun, victoire. Merci beaucoup. Oui. Cameroun, victoire pour le continent. Daouda, regarde là. Il y a le Maroc ici. Il y a le Maroc qui sont redoutables. Salam alaikum. Ça va? Il y a la forme? Alors, le Maroc, vous êtes là? Oui. Ici? Oui. C'est pour le maillot jaune? Moi? Vous êtes là tous pour le maillot jaune? Oui. Et c'est qui peut prendre le maillot jaune? Celui-là qui est le favori, c'est lui. Ah, c'est lui? Oui. C'est lui le favori? Oui. Ah, c'est toi le favori? Non. C'est toi le favori? Non, parlez France. Comment on dit bonjour chez vous? C'est salam alaikum. Salam alaikum. Oui. Merci ton monde. C'est tout, hein? Salam alaikum. Salam alaikum. D'accord. Donc, salam alaikum Burkina Faso. Salam alaikum Burkina Faso. Ok, donc bon tour à vous. Hein. Bon tour à vous.
Lui, il a 52 ans, son fils en a 19. Et les deux vont courir sur la route du Tour du Faso. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Alors, Daouda, viens avec moi. Ils sont trois. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est quel pays? Belgique. Belgique. Donc, Guy Smet? Ça, c'est son fils. Je vous parlais tout à l'heure de ce fils de 19 ans. Il est là. Son papa en a 52. C'est un passage de témoin qui se fait ici à cette 35e édition du Tour. Alors, comme on dit, fiston, ça va, tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va très bien. C'est ta première fois au Burkina? Oui, oui. D'accord. First time. D'accord. Et ton papa avait parlé Burkina avec toi déjà? Your father tell you Burkina Faso? Oui, oui. Already? A lot of Burkina Faso. Okay. What's your appreciation in Burkina Faso? Are you happy to be here? Yes, I'm very happy. Okay. You want to take a yellow jersey or not? It's difficult. But we are very happy to see you in Burkina Faso. Thank you. On est très heureux de voir le fils de Guy Smet ici au Burkina Faso. C'est une première, mais on espère qu'il restera longtemps après le départ de son papa. Thank you very much. Juste à gauche, il y a les personnalités hein, présentes avec en premier chef le ministre des Sports, il y a le ministre aussi de l'Environnement. Mais il y a aussi hein, un personnage bien connu ici dans la région, c'est Seydou Nagrengo, qui est là et qui nous fait le plaisir d'être présent pour ce lancement du Tour du Faso. Nous sommes tous les Faso en Singri Ka Yibé Kanao. Nous avons un barakar, nous avons un tour qui est tout le monde à la fée, la lèvre à la fée. Kota wana wanda kile njia kuburkina faso zuku la wanda jamhuri tamana taba tiga tabti nera pasi. Voilà, c'est le message de Seydou Nagrengo ici, hein, en présence de toutes les autorités. On a même le visage de Charles Kaboré, et qui est là, le secrétaire général, le ministre de l'infrastructure, le ministre des Sports. Ils sont tous là. On avait voulu vous donner ce petit message-là à partir de Koulibila. Et puis après, on prend le départ pour cette 35e édition du Tour international du Faso. Fin de ce premier numéro de Vélozine sur cette édition du Tour du Faso 2024. On a pris beaucoup de plaisir. Demain, la caravane va s'ébranler de Koupéla à Dignaré. Au programme 120 km 600. Après l'histoire de Tenkoutougo, on aura une autre histoire. C'est celle de Dignaré. Sait-on jamais. Peut-être elle sera aussi belle et surtout palpitante. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur la RTB. Pour le moment, pays est beau.